Comment fabriquer une solution hydroalcoolique naturelle et bio? Avec l'épidémie de coronavirus, trouver des flacons de gel désinfectant est devenu très compliqué. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer facilement à la maison une solution hydroalcoolique à base de produits naturels faciles à trouver. En vous retroussant les manches et en vous procurant quelques produits que vous pouvez trouver dans le commerce, même sur internet, vous pourrez réaliser vous-même votre propre solution hydroalcoolique à la maison. Regardez la vidéo pour découvrir 3 recettes de gel hydroalcoolique à base d'ingrédients naturels. Les solutions hydroalcooliques du commerce ne sont pas toujours à l'unanimité. Ces produits sont jugés comme irritant. Vous avez déjà sans doute expérimenté par vous-même les sensations de picotement qui peuvent causer, voire des douleurs sur les mains sensibles ou même quand vous avez des micro-coupures. Leur formule est aussi accusée d'assécher la peau et de la fragiliser. Les recettes que je vais vous expliquer permettent de fabriquer des solutions hydroalcooliques plus douces, plus adaptées aux peaux sensibles. Cependant, un petit rappel s'impose. Les gels hydroalcooliques sont très pratiques quand vous n'avez pas la possibilité de vous laver les mains, mais il ne faut pas en abuser. Privilégiez dans le même temps de bons comportements. Se laver les mains très régulièrement à l'eau et même au savon. Tousser et éternuer dans son coude. Utiliser des mouchoirs à usage unique. Les jeter dans la poubelle et fermer. Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. Maintenant, vous allez tout savoir sur la fabrication maison des gels hydroalcooliques naturels et bio. Mais avant de continuer, si vous aimez prendre soin de votre santé avec des astuces naturelles, abonnez-vous pour avoir nos prochaines vidéos santé naturelle et bien-être. Je suis sûre que vous allez en apprendre plein de choses intéressantes et utiles. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et regardez nos autres contenus pour découvrir nos recettes sur la santé et sur le bien-être naturel. Une solution antibactérienne purifiante et désinfectante avec une formule naturelle. C'est ce que nous allons apprendre à réaliser dans cette vidéo. 3 recettes à base d'huile essentielle et même d'huile végétale quand l'aromathérapie se met au service de notre santé et de notre respiration en prévention pour l'assainissement des mains. Pour la première recette, vous aurez besoin d'huile essentielle de tea tree, gel d'aloe vera et d'un flacon vide de 50 ml environ. Versez votre gel d'aloe vera dans le flacon, remplissez-le presque entièrement, puis ajoutez l'huile essentielle d'abraté en respectant les concentrations à 0,5%, ce qui fait 4 gouttes à peu près. Remuez bien et c'est prêt. Le gel d'aloe vera fait office de base gélifiée dans cette recette de solution hydroalcoolique. C'est à la fois antiseptique et antibactérien, un antifongique aussi. Le gel d'aloe vera assaini nettoie et purifie, aseptise vos mains tout en les hydratant pour une nutrition et une pénétration rapide. La texture visqueuse du gel contribue à hydrater les mains tout en les désinfectant. L'huile essentielle à l'arbre de thé en associant avec le gel d'aloe vera désinfectera et améliorera votre protection contre les infections virales. Ce gel hydroalcoolique fait maison combattra les germes qui peuvent être transmis suite à un contact avec une poignée de porte, des billets de banque, un terminal de paiement, des objets touchés par les sujets atteints. Vous pouvez ajouter un petit peu d'huile de jojoba à ce gel si vous le voulez. Cela laissera un voile soyeux sur votre peau. Mettez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Mes amours, n'oubliez pas de partager aussi ceci avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Découvrez maintenant notre deuxième recette de gel hydroalcoolique naturel à fabriquer par vous-même. Pour la recette numéro 2, vous aurez besoin d'huile essentielle d'abraté encore une fois, d'huile essentielle de camphrier appelée parfois huile de bois de haut, de l'alcool à 60%, de l'huile végétale de jojoba, du gel d'aloe vera et d'un flacon de 50 ml. Cette recette est la plus puissante contre les maux respiratoires. Versez dans un flacon 8 d'huile essentielle à l'arbre d'été, puis 4 gouttes d'huile essentielle de camphrier. Ajoutez 5 ml d'alcool à 60, puis versez 10 ml d'huile végétale ou même de la cire liquide, de l'huile de jojoba hein, si vous voulez. Complétez avec du gel d'aloe vera pour remplir le flacon, bien agité et
votre mélange est prêt. L'huile essentielle de camphrier possède des vertus décongestionnantes. Elle dégage les voies respiratoires et facilite la respiration. L'huile essentielle de camphrier purifie la sphère respiratoire en renforçant vos défenses face aux coups de froid et aux agressions extérieures. L'huile de jojoba, quant à elle, est recommandée pour ses propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses et même filmogènes. La dernière recette de gel hydroalcoolique maison est tout aussi simple à réaliser. Pour le faire, munissez-vous d'un petit flacon vide de 100 ml, comme ceux que l'on utilise pour le voyage en avion, de 30 ml de vodka, de 60 ml de gel d'aloe vera, de l'huile essentielle d'arbre à thé, d'huile essentielle de lavande. Remplissez un tiers avec de la vodka qui fera office d'alcool. Ajoutez 16 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, 8 gouttes d'huile essentielle de lavande. Tous deux ont des propriétés antibactériennes naturelles et sont agréablement parfumées. Complétez le tout avec du gel d'aloe vera. Toutes deux ont des propriétés antibactériennes naturelles et sont agréablement parfumées. Complétez avec du gel d'aloe vera pour l'hydratation des mains et mélangez bien le tout. Grâce à ces trois recettes naturelles et simples à réaliser, votre santé pourra en bénéficier grandement. Je vous encourage à les essayer et je vous invite à aimer cette vidéo et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour que d'autres puissent aussi en bénéficier. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'attendez plus et testez-les dès aujourd'hui, ces solutions. Si vous voulez avoir d'autres astuces naturelles pour votre santé, pensez à vous abonner car nous ajoutons de nouvelles vidéos tous les jours. Cliquez sur la cloche pour activer toutes les notifications et ne rien rater de nos nouveaux contenus. Pensez également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le compte Rosemouni Fashion, sur Facebook, notre page Rosemouni Fashion. Nous avons aussi un compte Pinterest, donc pensez bien à jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, laissez-moi un emoji, même un smiley masqué, dans les commentaires pour que je sache que vous avez tout vu. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.